Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes petites chéries, bienvenue dans ce nouvel épisode des Tanches de la réalité saison 37. Alors, voyons voir ce qui se passe à la villa, les images tout de suite. Vous les avez découverts à Ibiza, en Égypte, au salon de l'auto, de l'aéronautique, en prison. Découvrez-les maintenant en Syrie. Vince, tu peux venir avec moi à la piscine que je te parle en privé. Oh, Daisy. Ah ouais, bah si tu veux, on se parle en privé, bien sûr. Ouais, vas-y, je te suis. Ah voilà, écoute, je voulais te demander c'est quoi ton projet pro à toi? Tu voulais me demander ce que c'est mon projet pro? Ah, c'est facile, moi mon projet pro c'est que je veux devenir humoristique comme Neymar. Et toi c'est quoi, biatch? Oh, je suis juste là pour suivre Fabrice. Ouais, je confirme. Mais vas-y, je viens d'arriver dans la villa là, ça fait pas 2 heures, j'ai même pas encore tiré ma crampe là, putain. Mission de merde. Ici la voix. Véro, contrat réussi. Vous remportez 2 euros dans votre cagnotte. Ouais, vas-y, j'arrive. Oula, j'en peux plus de cette villa, moi. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. On me séquestre. Ça fait plus d'un mois et demi que je suis ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Pour que Véro fasse un gangbang nécrophile, envoie vite 1 ou 2 par SMS au 06 966. Vous êtes de retour sur le plateau des Tanches de la télé réale. Ce que je vous propose, c'est tout de suite une interview poignante d'un homme très peu connu. Non. Oh, shot Macron.